Si vous pensez que ça va marcher, vous verrez des opportunités. Si vous pensez qu'il ne le fera pas, vous verrez des obstacles. Il faut d'abord croire pour voir. Les seules limites que nous connaissons sont celles auxquelles nous croyons. Les opportunités ne manquent pas pour vivre de ce que vous aimez. Il n'y a qu'une pénurie de volonté. Vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais vous pouvez toujours contrôler ce qui se passe à l'intérieur de vous. Lorsque vous jugez quelqu'un, vous ne le définissez pas, mais vous vous définissez vous-même. La plus haute forme d'ignorance est de rejeter quelque chose dont vous ne savez rien. Arrêtez d'agir comme si la vie était une répétition. Vivez ce jour comme si c'était le dernier. Le passé est passé et révolu. Vous pouvez réussir même si personne ne croit en vous. Mais vous ne réussirez jamais si vous ne croyez pas en vous-même. Ce que tu fais est le seul compteur qui te mesure en tant que personne, pas ce que tu dis ou ce que les gens disent de toi. Changez le « je suis » en « j'ai choisi d'être » pour être le produit de vos choix. L'estime de soi vient d'une chose, pensez que vous êtes digne. L'estime de soi ne peut être vérifiée par d'autres personnes. Vous êtes celui qui détermine ce que vous valez, sans donner des explications à personne. Vous ne pouvez jamais être seul si vous aimez la personne avec qui vous êtes lorsque vous êtes seul. Si vous changez la façon dont vous regardez les choses que vous regardez changent. C'est l'effet miroir. Vois la lumière en chacun et traite-les comme si c'est tout ce que tu vois. Nous ne sommes pas des êtres humains à la recherche d'une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels immergés dans une expérience humaine. Si vous faites reposer la faute sur des phénomènes extérieurs à vous, vous leur donnez alors le contrôle de votre vie. Si vous vivez avec un sentiment d'obligation, vous êtes un esclave. Dans toute relation où deux personnes se fondent en une seule, le résultat final est deux demi-personnes. L'amour est la capacité et la volonté de laisser ceux pour qui on a de l'affection être ce qu'ils choisissent d'être, sans exiger que leur comportement vous donne satisfaction. Personne n'est plus malheureux que les gens qui ont besoin des autres. Quand vous pressez une orange, le jus d'orange en sort parce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Lorsque vous êtes pressé par les événements, ce qui émane de vous n'est rien d'autre que ce que vous avez en vous. Faire ce que vous aimez est la pierre angulaire pour obtenir l'abondance dans votre vie.